Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier coup de cœur en bande dessinée, une BD sortie en 2021, une BD de l'autrice et illustratrice Aimée de Jong, néerlandaise, qui avec ce très très beau roman graphique nous emmène aux États-Unis en 1937. La petite histoire va rejoindre la grande. Il s'agit de John Clark, un jeune photoreporter de 22 ans, qui est engagé par la Farm Security Administration, un organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers dans la misère. John, ce jeune reporter, est chargé de prendre des photos des fermiers qui sont dans une situation particulièrement dramatique dans la Dust Bowl. C'est une région qui se situe à la frontière entre l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, et en 1937, une sévère sécheresse y sévit. Cette sécheresse s'ajoute au surpâturage qu'ont pratiqué les fermiers et de sérieuses tempête de sable ravage tout, la santé, l'accès à l'eau, le fait de même pouvoir produire de quoi manger. John sera sévèrement remis en question dans sa pratique photographique. Peut-on témoigner de la misère? Peut-on défendre une cause par la photographie? Cette bande dessinée nous interroge sur le recommencement dans l'histoire, la répétition. N'a-t-on pas déjà vu, par cette histoire, le réchauffement climatique, la catastrophe écologique, les réfugiés. Aimée de Jong nous offre des dessins particulièrement intéressants, et notamment les dessins qui concernent les tempêtes de sable. On a presque l'impression d'y être, grâce à l'effet trois dimensions que nous donne la superposition de presque 20 dessins accumulés sur la même image. Retrouvez Jour de sable à la médiathèque, en section adulte, bonne lecture.